Yo, Kosomina-san, ce pic des. Bienvenue dans la Seiken News, l'actualité du groupe Seiken Games. Et bonne année. Bonne année 2018. Alors, il y a une vidéo qui va sortir demain où je vous dis bonne année. C'est au nom simplement de la chaîne. Et puis, comme j'ai enregistré avant. Bref. Donc là, c'est vraiment au nom du groupe, hein, au nom de toute l'équipe hein, qui est en balle. Hein, tous ces joyeux lurons qui sont avec moi dans cette aventure, dans cette folle aventure. On va voir l'actualité. Bon, il n'y en a pas, c'était les vacances. Il n'y en a pas. Voilà, c'est vraiment une Seiken News vraiment très courte, histoire de vous souhaiter vraiment la bonne année. Et puis, de vous parler vite fait. Alors, dans la vidéo de demain, je parle de ma réorganisation. Et il y a notamment une réorganisation qui concerne un petit peu le groupe, puisque je vais m'allouer un créneau vraiment dans la semaine où je ne vais faire que du développement du groupe. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui doivent se faire dans le groupe et que je ne fais pas, par manque de temps et par manque d'organisation aussi. Faut bien le dire. Donc là, voilà, c'est fixé. Je vais pouvoir amener des choses au fur et à mesure. Et donc vous allez avoir des nouvelles choses qui vont apparaître, notamment des nouveaux salons qui vont bientôt apparaître. Là, c'est pas le cas, mais il est fort possible qu'une fois que la vidéo sera sortie, ce sera déjà le cas. Donc je peux vous le dire, il y aura donc un salon qui s'intitulera Jeux mobiles, je pense. Moi, je trouve un nom un peu plus sympathique, mais qui concernera donc les jeux bah, sur mobile, hein, sur téléphone. C'est-à-dire, pour l'instant, Dokkan Battle, puisqu'on en parle avec Arcane 7 et Alforza. On est tous les trois à jouer à Dokkan Battle. Et étant donné que je vais développer une petite série Captain Tsubasa sur la chaîne, voilà, vous le savez en avant-première, je vous en parle plus demain. Et ben ce sera également dans ce salon-là. Donc il y aura le salon Game One et il y aura également le salon jeux mobile. Il y aura également un salon, ça ce sera dans les salons généraux. Alors attendez, il faut que je mette ma flèche ici. Voilà, dans les salons généraux, il y aura également un salon, je pense, qui s'appellera Hors-jeu. Parce que j'aime bien, ça par contre j'aime bien ce titre, je vais le garder. Le salon Hors-jeu, bah, c'est tout ce qui concerne les discussions hors jeux vidéo. C'est-à-dire. Des discussions sur des séries, pourquoi pas, sur des films, sur des BD, sur des livres, sur ce que vous voulez. Voilà. Sachant que le salon général, ça permet également de parler de tout, mais vraiment de tout. Du coup, le salon hors jeu, pour moi, ça va vraiment être de parler bah, de choses que je viens de vous dire. Voilà, si vous avez des séries, des films que vous avez bien aimés, que vous venez de voir, vous pouvez partager un petit peu votre avis, et puis voilà, ça peut être sympa. En fait, le salon général, on peut tellement parler de tout que finalement on finit par parler de rien. Tandis qu'il y a un salon qui est un petit peu plus réduit en termes de sujet, ça va inciter à parler d'un sujet. Voilà, c'est pour ça que je fais un petit peu ça. Donc voilà, au niveau des deux salons qui vont apparaître sur le Discord. Et il y aura un nouveau rôle, c'est pareil, il sera peut-être mis en place au moment où vous avez cette comment dire, vous avez cette vidéo, ce sera un rôle donateur. Alors, le rôle donateur, c'est simplement le rôle. Alors pareil, peut-être que j'aurai trouvé d'ici là un nom un peu plus sympa. Rôle donateur, ce sera pas un rôle qui sera séparé ici au niveau de l'organisation. Ce sera un rôle où il y aura simplement une couleur, c'est-à-dire vous retrouverez une couleur sur une personne, par exemple Deo Barto, il aura une couleur. Ouais. Donc donateurs, bah, tout simplement, ce sont ceux qui nous soutiennent, soit directement de manière pécuniaire, soit par des cadeaux, que ce soit par exemple des DLC. C'est ce qui s'est fait là, par des DLC pour qu'ils soutiennent les différents streamers. Donc chaque streamer. Ils sont où? Bah, ils sont là, ils sont en dessous. Chaque streamer qui reçoit une petite donation, un petit coup de pouce de quelqu'un. Et eh ben on pourra lui le voilà, ce quelqu'un-là, on pourra un petit peu le mettre en avant enfin, dans la liste des membres. Alors pour l'instant, il n'y aura pas forcément comment dire, d'avantage direct à avoir ce rôle-là. On va y réfléchir si on peut avoir comment dire, avoir quelques passe-droits, on va dire, quelques petites autorisations sur le Discord, comme ça. Voilà, ça fait partie de l'avenir du serveur.
Et puis du coup, je ne suis pas tout seul, puisqu'on est quand même tous les streamers à essayer de faire vivre ce serveur, streamer et journaliste. Hein, je vois Jetstrooper qui est connecté. Bien sûr, j'ai tendance à parler de streamer, mais c'est vrai que maintenant, il y a le rôle de journaliste, donc il faut que j'enlève tout le staff. Voilà, on est plusieurs. On est plusieurs. Donc voilà, et bien évidemment, la Socket News, on vous en parle depuis un petit moment, hein, puis y a rien qui arrive pour l'instant, mais on va se réorganiser. Donc là, voilà, c'est le début d'année, normalement tout est au point à peu près pour changer la Socket News. Donc on va s'y mettre. Je vais commencer à, comment dire, à secouer un petit peu le cocotier pour voir un petit peu comment on met ça en place, et également pour le SKT, pour l'organisation du SKT. Qui aura lieu très bientôt, hein, maintenant, puisqu'on est dans 2 mois, quoi, on va dire, grosso modo. Donc c'est demain. C'est demain. On se rend pas compte comme ça, mais c'est demain, dans 2 mois. Surtout en termes d'organisation, en fait. Donc voilà, on va mettre ça en place et puis on vous donnera tout ça dès que ce sera disponible, bientôt disponible. Voilà, pour ceux qui connaissent The Ken Battle, ils savent ce que ça veut dire. Bref, ben voilà, j'ai fait un petit peu le tour, hein, vite fait. On va pas aller voir forcément les différentes chaînes, parce qu'il y en a plein en plus qui sont plutôt partis en vacances, donc ça a été assez calme pendant les vacances de Noël, hein, c'est toujours la course pendant les vacances de Noël. Donc voilà, je vous invite à aller faire le tour des chaînes si vous voulez voir un petit peu les vidéos qui ont pu être droppées pendant les vacances. Droppées. Excusez-moi, je joue trop aux jeux mobiles. Les vidéos qui ont pu être postées, pardon, pendant les vacances. Je vous invite à aller faire un petit tour. Et puis je vous dis à très bientôt sur Second Games, dans le groupe, partout. Ciao, ciao, Jana. Voilà, la vidéo est terminée. N'oublie pas le petit pouce, c'est gratuit, ça prend 2 secondes, ça permet de nous soutenir. Tu peux foncer regarder nos autres vidéos vachement intéressantes. Si c'est pas déjà fait, clique ici pour t'abonner, tu verras, ça marche même sur mobile. Et retrouve-nous sur Discord, Twitch, Steam ou Facebook. Et je te dis à tout de suite.